Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Trek to Yomi. J'espère que je le dis bien. Oui, c'est ça. Trek to Yomi. Excusez-moi, j'ai cliqué à côté. Vous avez dû entendre la souris. Je contrôle mon PC en même temps. Non, on va pas se mettre non plus en facile. Mais également des combats. On va se mettre comme ça. C'est Devolver qui édite. Studio qui est pas mal connu. Attendez, je vais rapprocher un petit peu le micro. Parce que j'ai l'impression qu'il est loin. Ne vous en voulez pas, je tourne cette vidéo super tard. Je suis un petit peu fatigué. Pour tout vous dire, il est 23h. Donc sorti le 5 mai, ce jeu. Donc là, on est le 5 mai à 23h actuellement. J'ai pas pu vous le faire avant parce que ce matin en fait il n'était pas dispo encore sur le Game Pass. Il y avait eu une heure spécifique à respecter et après je suis allé bosser donc j'ai pas pu vous le faire avant. Donc voilà. Mais bon. On va se découvrir ça tranquillement. Normalement, tout le jeu sera en noir et blanc comme ça. Donc le jeu, j'en profite là, donc j'ai pas besoin de me concentrer sur le gameplay ou quoi. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, sur la Xbox et sur PC. Il est disponible dans le Game Pass puisque c'est la version que j'utilise actuellement. Et donc, d'accord, fallait partir aussi loin. Ok. Vous m'en voulez pas, par moment j'ai envie de bailler. D'accord, donc il y a des combinaisons après avec les directions. Après X attaque, on va dire faible, et Y attaque rapide, c'est la base. Excusez-moi, je l'avais dit, par moment je vais avoir envie de bailler. J'ai une jauge qui descend. Après on va essayer de pas passer des plombes sur le du tout. Du coup, on ne va pas écouter ce qu'il a dit. Enfin, je pense que ce serait pas mal de partir avec une vraie. Ah, donc là, je peux avancer. Donc, on n'est pas que sur un plan 2D. Ok. Et visuellement, ce sera comme ça tout le temps, en noir et blanc. Donc là, on est sur Xbox Series X, hein, mais bon, honnêtement, je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence entre les versions, ça m'étonnerait. Donc voilà, après, quelle que soit votre console, je pense que... ce sera une belle version. Moi j'aime bien ce côté noir et blanc, je fais beaucoup de photos en noir et blanc comme ça, je suis pas un photographe, hein. Je suis pas très très...
Bah, il se passe certainement quelque chose de l'autre côté des portes principales et moi je sais pas pourquoi. Je pense qu'il va mourir ou qu'il va se passer quelque chose. J'espère que non, évidemment, mais je le sens. J'aime beaucoup aussi le grain, il y a un petit effet de grain. Je sais pas si on le verra sur la capture, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'avoue que je cours un peu au pif parce que je sais pas exactement. Je me suis barré du mauvais côté. J'imagine que c'est plutôt de ce côté-là. On va y aller, mais bon. Allez. Si on pouvait se battre un peu, ce serait pas mal. Comme ça, on pourrait faire une vidéo pas trop longue. On y va. Roule. Ah oui, là, d'accord. Donc ça sert à sauvegarder. Donc il n'y a pas un genre de sauvegarde automatique. Ou, enfin, visiblement, faut sauvegarder par là. Donc c'est des caméras fixes, hein, c'est pas moi qui bouge la caméra. Aïe, je me suis pincé avec un truc. Voilà, comme je disais, avant de me pincer tout seul, c'est des caméras fixes. On va essayer en tout cas. Bon. Je vous avoue que l'histoire des contres là. Ah merde, je me suis retourné. J'ai rien compris l'histoire des contres. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, attendez. C'est pour ça qu'il y en a souvent des sanctuaires en fait, c'est parce que... Quand vous mourrez... Putain, j'ai plus d'endurance. Vous mourrez super rapidement et quand vous mourrez, vous reprenez plus loin au dernier sanctuaire là pour le coup. Faire attention à la barre d'endurance. Le problème c'est que une fois que vous vous êtes raté, c'est compliqué de rattraper le coup. Je suis désolé, vous allez entendre la manette.
contre, quand vous les loupez pas, ce qui fait plaisir, c'est qu'ils n'ont pas des barres de vie de malade et qu'ils crèvent. Comme dans la réalité, je veux dire, quand vous prenez des coups de sabre, katana, je pense que vous en demandez pas un deuxième quand vous en prenez un, quoi. Boum. Hop, bon après on va pas non plus refaire 150 fois les mêmes séquences, hein, vous m'en voulez pas. Bon là c'est bien, on reprend la vie aussi hein, quand on arrive au sanctuaire. Gredin. Allez. Et des fois j'ai du mal à sortir un certain coup. J'arrête pas de faire ça par exemple. Et c'est pas toujours ça que je veux faire. Hop. Boum. Ah. J'ai plus d'endurance. Attention quand même. Boum. C'est assez jouissif quand on y arrive et qu'on commence à comprendre un peu comment ça marche. Après, je vous dis pas que je suis très très fort, hein, mais je commence à comprendre un petit peu le truc. Et quand j'arrive à faire ce que je veux, c'est pas mal du tout. Ah non, non, faut pas que ça passe derrière moi. Hop. Bon, y a beaucoup de points de sauvegarde quand même. Quelque chose à pousser ou... Voilà, pour le coup je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Alors, on peut aller par là, d'accord. Merde, bah, retourne-toi, pourquoi j'ai fait ça moi? Quel abruti. C'est pas du tout ça que je voulais faire.
Bon, vous m'en voulez pas, le petit plop, c'est mon PC à côté. Quand j'ai un succès, j'ai mon téléphone qui vibre, mon PC qui fait plop, y a tout qui fait du bruit. Voilà. Retourne-toi! Ah, des fois, par contre, quand j'appuie sur le A, il se retourne pas. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, on va pas aller plus loin pour cette vidéo. Ça fait 20 minutes. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais pas vous refaire encore, encore le même truc. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, ça demande un petit peu de concentration là-dedans. On va dire que dans le cadre d'une vidéo, c'est un peu compliqué. Mais très franchement, ça peut être plutôt sympa. Surtout qu'on l'a vu, là j'avais des sortes de lames. Et je pense qu'on peut avoir des shurikens. Et j'imagine qu'après, il y a des choses qui vont arriver en plus. D'autres armes peut-être, ou je ne sais pas. Donc c'est à creuser. Écoutez, c'est dans le Game Pass. Je crois que c'est un jeu, même si vous voulez l'acheter sur PS 4 ou 5, c'est un jeu qui me semble qui est pas très très cher. Donc écoutez, à voir. J'aime beaucoup le style visuel. Maintenant, à voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre et vous plaire. Donc écoutez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. J'ai déjà deux autres vidéos qui sont prêtes que j'avais tournées avant. Et puis il y aura d'autres jeux au mois de mai. Il y en a encore au moins deux que je vais vous faire en nouvelle vidéo. Donc il y a quatre vidéos encore là qui sont prêtes pour le mois de mai. Donc ça va, le mois il est. Enfin, il y en a deux qui sont déjà prêtes et deux autres qui vont arriver en plus. Donc ça va, le mois de mai va être bien rempli en termes de vidéos. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.